Salut tout le monde, c'est Etal 1975. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Minecraft, nouveau tutoriel survival. Et aujourd'hui nous allons parler d'un petit truc un peu useless mais qui peut quand même être très cool si vous voulez faire de la déco. Aujourd'hui nous allons donc apprendre à faire une cloche automatique, c'est-à-dire une cloche qui va sonner en fonction des heures de la journée dans le jeu. Donc ce qui est quand même relativement sympathique, comme je l'ai dit pas très utile mais qui peut quand même être sympathique. Alors on va juste faire un petit truc pour que ce soit quand même un minimum esthétique. Voilà, donc j'ai juste fait un tout petit truc très simple puisque vous allez voir que la cloche automatique est très très facile à réaliser. La première chose dont on va avoir besoin, c'est d'un observateur. Observateur que vous allez placer du coup de bas en haut, comme ceci. Avec donc les yeux vers le haut, vers le soleil. Et ensuite, ce qu'il va nous falloir, c'est bien évidemment une cloche. Bon, pas très difficile à trouver, hein, vous pouvez en trouver dans à peu près tous les villages de PNJ, donc pas forcément dur à choper. Ensuite on va avoir besoin d'un petit cadre et d'une montre. Voilà, pour nous indiquer le temps de la journée. Et pour finir il nous suffit de placer un capteur de lumière. Hop, voilà. Peu importe dans quel mode vous le mettez, ça fonctionnera de la même façon. Je vais juste rajouter une petite trappe derrière pour l'esthétique, voilà. Et normalement, vous avez normalement votre cloche automatique, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment très très simple à réaliser. Et pour le tester, on va tout simplement faire un truc, c'est qu'on va passer en timeset night, du coup. Et voilà, comme vous pouvez le constater, ça marche tout seul. Après, si on remet en day, ça fait pareil, voilà, c'est très très simple à réaliser. J'avoue que j'aurais pu faire ce tutoriel en short, mais je me suis dit que c'est quand même important de vous détailler chaque étape de façon convenable. Et du coup voilà, il n'y a pas forcément grand chose à dire de plus, hein. Comme je l'ai dit dès le début, c'était un tuto très très simple à réaliser. N'hésitez pas à liker en tout cas si ce tuto vous a été utile, à commenter si vous avez des choses à me dire ou si vous avez des sujets à me proposer. Ça peut être très très sympathique parce que je commence à être un peu en dèche au niveau des sujets de tuto. Donc si vous avez des choses à me demander, des trucs, que ce soit des thématiques plus larges, comme par exemple des trucs sur certains mobs ou quoi que ce soit, ou bien sur des objets, ou bien des mécanismes, redstone, etc. N'hésitez pas à demander, je ferai ce que je peux pour vous fournir un tuto de qualité. Et bien entendu, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !